Pour la deuxième journée consécutive, la ville de Mali, dans le nord de la Guinée, a été secouée par de vives tensions entre militaires et populations. À l'origine de ce clash, plusieurs coups de cravache qui ont été administrés à un chauffeur de camion par les hommes du colonel Issa Camara, le commandant du camp militaire de la ville. Le malheureux chauffeur aurait effectué une manœuvre dans une ruelle obligeant le cortège du colonel qui arrivait à vive allure à stopper sa course. Selon des témoins de la scène, le colonel Camara a ordonné à ses hommes de donner 50 coups de cravache à l'imprudent chauffeur qui a ensuite été abandonné sur les lieux dans un piteux état. Des affrontements entre populations et militaires ont éclaté et ont provoqué d'importants dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état de plus de 20 blessés, dont 3 par balle côté civil. Des soldats se seraient même livrés à des pillages et autres actes de vandalisme saccageant des commerces. Des civils ont dû s'enfuir pour trouver refuge en brousse. Le colonel Issa Camara aurait été démis de ses fonctions de commandant du camp militaire de la ville de Mali.